Ils sont en colère. Ils viennent de perdre une des leurs après des douleurs d'accouchement. Mais ici, à Léonou, on l'a diagnostiqué qu'à Covid-19. Une femme enceinte qui devrait être intervenir par césarienne. Subitement, on l'emmène ici, là. Elle ne traitait de rien. Ici, c'est les gens de Covid-19 qui sont là. Mais elle est enceinte. Elle devrait être intervenue par césarienne. Mais qu'est-ce qui se passe au finish? Colère de la famille qui cherche alors à savoir de quoi est réellement morte leur sœur. Nous avons décidé tous en commun de nous donner le PV transmettoire entre Blanche Gomez et le Yono. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici à le Yono, on nous dit qu'il n'y a pas la lettre transmettoire. Bon, vous l'avez gardée ici sur quelle base? Sur quels critères? Tout ce que vous avez fait? Que s'est-il passé? Chloé Bafouidine Sony a des douleurs d'accouchement. Elle est internée à l'hôpital de Makelekele qui la transfère à l'hôpital mère et enfant Blanche Gomez, censé avoir l'équipement approprié. À 21h, on appelle, la sœur quitte Makelekele pour venir à Blanche Gomez. Arrivée à Blanche Gomez, le docteur donne une ordonnance à son mari. Va acheter les médicaments. Dès que le mari se déplace pour aller acheter les médicaments, le docteur a mis une piqûre sur notre sœur. Et il dit, chez la dame, on va envoyer votre fille à Onemo. Pendant ce temps-là, ça se passe à Blanche Gomez. Mais là, petite complication. Et c'est à Léono, à la clinique municipale, que Chloé Bafouidine Sony est renvoyée pour succomber tôt ce matin. Et ici, on a voulu l'enterrer comme cas du coronavirus. Subitement, on l'amène directement là où il y a les gens de Covid-19 sont, là où il y a la ligne rouge. Et ce matin, on nous appelle vers 6h, venez, on va l'enterrer. Contactez le chef du centre de la clinique municipale à Léono, dit ne pouvoir parler que sur autorisation de sa ministre, la ministre de la Santé.